des feuilles de papier absorbant trouées dans le fond d'une cocotte. On met 2-3 feuilles de papier absorbant, on fait des trous dedans pour empêcher les éclaboussures et puis pour empêcher justement au plat de trop vibrer. Couvrir d'eau froide, poser le saladier de chocolat râpé et le laisser fondre au bain-marie à frémissement en le remuant sans cesse. Hors du feu, incorporer le beurre pommade dans le chocolat encore tiède. Si par exemple le chocolat refroidi par le beurre, on le remet, un tout petit peu au bain-marie. C'est pour ça que j'ai gardé le bain-marie près de moi. Ça c'est une précaution, hein. Toujours garder son bain-marie à côté. Et réserver le chocolat à température ambiante. Ajouter 3 jaunes aux 3 œufs entiers et les blanchir à l'aide d'un fouet. Incorporer le sucre semoule, bien mélanger. Ajouter la farine tamisée en pluie et mélanger jusqu'à ce que la pâte fasse le ruban. Ajouter le chocolat et laisser reposer l'appareil à température ambiante. Disposer les coquilles d'œufs vidées et bien nettoyées sur un support en aluminium et les remplir de sauce chocolat aux 2/3. Enfourner les œufs à 200 degrés pendant 4 minutes et dresser chaque œuf sur un coquetier, à déguster bien chaud. Œufs tièdes au chocolat. Pour 12 œufs, 125 g de chocolat noir, 12 œufs, 125 g de beurre, 180 g de sucre cristallisé et 60 g de farine tamisée.